Eh ben, salut salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, ça ferait plaisir pour moi. J'ai un truc à vous dire. J'ai un truc important à vous dire. J'avais fait déjà une vidéo sur ça. Avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça ferait plaisir pour moi. Et dans la vidéo, je vais vous expliquer un truc. Je voulais vous dire, je cherche un monteur vidéo, mais de quelqu'un de confiance. Que j'ai pas envie que la personne hack mon compte YouTube et tout. C'est pour ça que je cherche un truc de quelqu'un de confiance qui peut me faire un monteur vidéo, mais vraiment mais confiance. Quand c'est moi, je fais mes montages vidéo, mais voilà, j'ai du mal à les faire et tout, et c'est compliqué tout ça, c'est le bordel et tout. Et je voulais savoir s'il y a quelqu'un de disponible et de quelqu'un de confiance que je connais, que je connais en ami ou d'autres personnes que je connais. S'il peut me faire un montage vidéo, je vais lui donner mon adresse email et mon mot de passe, bien sûr, pour respecter les trucs. Mais la personne, si je cherche quelqu'un de confiance, mais là j'en ai pas trouvé et tout. Et normalement, il y a une vidéo qui devait sortir aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer. En fait, avec un rapport que vous avez vu dans la maison à un moment donné. Avec le pote Hugo, il s'appelle Hugo, et d'ailleurs je lui fais une dédicace si tu regardes cette vidéo. Et on est parti à Paris. On est parti voir tout à Paris. On s'est renseigné, on est parti demander aux gens de Paris pour chercher l'hôpital abandonné. On n'a rien trouvé, et ici il y a des urbetseurs, je donne un message aux urbetseurs qui connaît. Des urbetseurs, si vous regardez cette vidéo, c'est un message pour nous. Si vous connaissez des adresses un peu connues à Paris, ou si vous habitez à Paris, si vous pouvez nous donner des adresses, à moi, mon snap il sera en description. Pour m'ajouter les urbetseurs, il sera en description si vous voulez m'ajouter. Si vous voulez m'ajouter pour parler et aussi pour voir les adresses et tout, si vous connaissez les adresses et tout. Quand on a essayé de trouver aujourd'hui avec un pote à moi, on est resté toute la journée à Paris, toute la journée. Pour chercher partout, on a fait le 14e arrondissement, le 15e arrondissement. Le 16e, le 11e, on a essayé de trouver partout Paris pour voir l'hôpital abandonné. Et au final, on n'a rien trouvé. On est allé à Paris pour rien. C'était chiant. Mais on était pressé d'aller. On était content aussi d'aller voir l'hôpital abandonné. On a demandé aux personnes qui habitaient à Paris. Moi, je suis rentré au bar. J'ai demandé aux personnes. Ils m'ont dit non, ils connaissent pas. D'autres, ils m'ont dit qu'ils connaissent. Mais ils ne sont pas dit des trucs précis. Mais je cherche quelqu'un qui connaît des trucs abandonnés, pas dans la ville où je suis, quand à force je connais par cœur, mais dans toute ville si vous connaissez et tout. Et pour faire des vidéos, pour faire juste des. Avec un pote et moi, c'est juste pour faire des vidéos urbaines et tout, c'est juste pour faire ça. Et là, on a essayé de trouver l'hôpital abandonné. C'était compliqué, c'était hyper difficile à trouver. Il y avait énormément de monde aussi, on marchait à Paris, partout. On a essayé de trouver des endroits et tout, on a essayé de trouver partout. On a fait tout le Paris, quoi, presque. On a même fait presque derrière la tour Eiffel de Paris, mais on n'a rien trouvé. Normalement, je suis désolé, les gars. Je vais vous dire ça, mais normalement il y avait une vidéo qui devait sortir aujourd'hui, mais je suis désolé, on n'a pas trouvé l'hôpital abandonné, c'était compliqué à le trouver. Mais on compte aller week-end prochain ou l'autre, les week-ends après, on compte aller pour voir exactement c'est où. Comme là, on a essayé d'aller aujourd'hui, nous on est allé, on savait pas c'était où, quand on connaissait pas Paris, j'ai demandé aux gens, ils disaient n'importe quoi, ils disaient ouais c'est là-bas,
frère précisait, disait pas, ouais, c'est ici et tout, préciser les choses, disait là.